L'arrêté municipal entre en vigueur ce matin. Le port du masque est obligatoire sur le Vieux-Port jusqu'au centre-ville. D'accord ? Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. La carte a été posée sous la tour de la Grosse Horloge. Vieux-Port, Gabu, hypercentre de La Rochelle, le masque y est désormais obligatoire. Devant l'affluence des vacanciers et la grande promiscuité des promeneurs, la municipalité veut éviter l'apparition d'un nouveau foyer épidémique. C'est normal, en fait. Hein. On s'y attendait un petit peu, donc voilà. On le met et puis c'est tout, on fait avec. Quand on est arrivé sur La Rochelle, on a été étonné du nombre de personnes qu'il y avait et qui n'avaient pas le port du masque. Donc oui, nous, ça nous a surpris en venant de Franche-Comté. On n'est pas étonné que voilà, il y ait le retour du masque maintenant, quoi. Les policiers municipaux seront chargés de faire respecter cet arrêté, unique en France à ce jour, mais pas question pour le moment de verbaliser les étourdis. L'idée, c'est effectivement que chacun prenne le réflexe de mettre son masque. Et puis effectivement, pour les personnes les plus récalcitrantes, eh bien, nous envisagerons effectivement la verbalisation. Dès le 1er août, les récidivistes pourraient s'exposer à une amende de 38 euros, une sanction qui devrait rester exceptionnelle. L'arrêté court jusqu'au 31 août.